Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble un nouvel accessoire de dos. Il s'agit du sac à dos de Bébé Colombo. Il est tout juste incroyable, les gars. Vous allez voir que dans cette vidéo, on va le découvrir. On va voir ensemble comment faire pour le débloquer. Mais avant tout, comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble une nouvelle cosmétique qui va arriver sur Fortnite. D'ailleurs, ce ne sera pas la seule, il y en aura plusieurs et vous allez voir que dans cette vidéo on va absolument tout découvrir. Avant tout les gars, très important, rendez-vous dès maintenant dans la boutique d'objets et pensez à me soutenir avec le code créateur CHOU, 4 lettres CHOU. Merci à tous ceux qui l'ajouteront, vous êtes vraiment les boss. Sachez que c'est grâce à vous que je peux financer autant de concours et autant de cadeaux. Et dès maintenant, je vous invite à vous rendre dans les commentaires, donnez-moi votre pseudo Epic Games, j'ajoute en ami tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Les gars, c'est très important, abonnez-vous et donnez-moi votre pseudo Epic Games, j'ajoute uniquement les abonnés en ami. D'ailleurs, voici la liste des derniers abonnés de la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez passer dans la prochaine vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et enfin, pour terminer, les gars, pensez à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me soutiendrait énormément et ça permettrait à cette vidéo d'être mise en avant. Désormais, il est temps d'enchaîner avec les news de la vidéo, j'ai pour vous plein d'informations. Aujourd'hui, on ne rigole pas et vous allez voir qu'on va absolument tout découvrir. Tout d'abord les gars, il y a des récompenses gratuites qui sont à récupérer sur Fortnite. Il faut savoir que ça se passe sur Twitter, sur les comptes des leakers. En ce moment, ils donnent des codes gratuitement à tous les joueurs de Fortnite. Il suffit simplement de les suivre et si vous avez de la chance, eh bien vous allez pouvoir obtenir des codes. En tout cas, n'hésitez pas, dans la description, je vous mettrai quelques informations à propos de tout ça. Et comme vous le voyez à l'écran, eh bien je vous affiche les récompenses. Franchement, il y a pas mal de leakers qui dévoilent des codes, dont ShinaBR, qui est un leaker très connu et qui est d'ailleurs l'un des plus populaires. Concernant les récompenses, il y en a trois à obtenir. Il y a tout d'abord un spray, une émoticône ainsi qu'un emblème, donc c'est plutôt stylé, n'hésitez pas les gars. Pour ma part, je vais essayer d'obtenir un code et je vais le rentrer sur mon compte pour débloquer ces récompenses. Il est temps désormais de parler du skin le bouffon vert qui est censé arriver très prochainement dans la boutique d'objets. On va voir ensemble sa date de sortie, on va découvrir le skin, on est directement parti. Tout d'abord, il faut savoir que le skin du bouffon vert a été ajouté très récemment sur Fortnite suite à la mise à jour 19.10 qui est apparue la semaine dernière. Il y a plus précisément 6 jours de ça à l'heure où je vous parle, et donc le skin bouffon vert est apparu. Il s'agit d'un skin qui est tout juste magnifique et qui possède pas mal de cosmétiques. Concernant les cosmétiques, il faut savoir qu'il y a le skin du bouffon vert, un accessoire de dos, une emote intégrée, un planeur, une pioche ainsi qu'un écran de chargement, et tout ça, ça sortira dans la boutique d'objets très prochainement sur le jeu. Concernant la date de sortie, d'après ce qui nous a été dit par nos leakers, c'est censé arriver très prochainement. Il faut savoir qu'on va pas obtenir de mise à jour sur Fortnite avant le 1er février 2022. Le 1er février, c'est un mardi. Et donc d'ici là les gars, normalement le skin bouffon vert devrait sortir. J'ai vraiment hâte qu'il sorte et j'ai hâte de l'acheter. Maintenant, on va parler de la map de Fortnite qui va subir pas mal de changements. Il faut savoir que sur cette image que je vous affiche tout de suite à l'écran, eh bien on peut apercevoir un endroit sous deux variantes. Comme vous le voyez à droite de l'image, on peut apercevoir un endroit de la map qui est l'endroit actuel que nous connaissons. Mais c'est pas tout, regardez à gauche, on peut apercevoir le même endroit qui a été modifié. Désormais, il s'agit d'une grotte, on peut rentrer à l'intérieur. Et cette grotte, les gars, elle risque d'être très importante pour le futur de Fortnite. Il faut savoir qu'à l'intérieur, on risque de trouver l'un des boss de l'organisation de l'IO. Et on pourra sûrement l'éliminer afin de récupérer une arme mythique. En tout cas, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que pensent nos leakers. Maintenant, on va parler de l'événement de Star Wars et du probable retour des épées de Star Wars, les gars, les sabres laser. Ça risque de faire son retour, et comme vous le voyez à l'écran, je vous affiche un petit gameplay nostalgique. Ça fait déjà un bon moment qu'on n'a pas eu le retour des sabres laser. Eh bien, sachez qu'ils ont été mis à jour dans la mage 19.10, et ils risquent de faire leur retour très prochainement sur le jeu. Normalement, il y a de fortes chances pour que ce soit ajouté sur la map. On pourra obtenir les sabres laser dans des coffres, dans des butins et dans plein d'endroits, et pour ma part, je ne pourrais que valider. Qui dit le retour des sabres laser dit aussi une nouvelle collaboration avec Star Wars. Qui sait, on pourrait également obtenir le skin de Dark Vador, l'un des skins les plus attendus concernant les collabs avec Star Wars. Maintenant, on enchaîne avec un nouvel item, un item pizza qui est apparu sur le jeu. Il faut savoir que celui-ci sera disponible dès demain suite à une mise à jour secrète qui apparaîtra. Ce ne sera pas une mise à jour à télécharger, mais pourtant, il y aura pas mal de nouveautés qui seront ajoutées. Du coup les gars, l'item pizza, je vais tout de suite vous dévoiler ses caractéristiques et ce qu'il va nous permettre de gagner. Tout d'abord, il est dit que l'objet pizza sortira ce mardi, comme je vous l'ai dit précédemment. On pourra le trouver dans les coffres et il sera également vendu par un PNJ à Tilted Tower pour 50 lingots d'or, ce qui est vraiment très peu cher. Et il faut savoir que ça nous permettra d'obtenir une boîte à pizza. Et il est dit au total qu'on peut stocker 4 boîtes de pizza, ce qui est plutôt sympa. Dans chacune des boîtes de pizza, il y a 8 tranches, ok? Et chacune des tranches permet de gagner 52 boucliers. Ok, incroyable. Franchement, c'est stylé.
Pour ma part, j'ai hâte de découvrir cet item et j'ai surtout hâte de vous le présenter dès demain. Pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à ce moment de la vidéo, les gars, il est super important de vous abonner dès maintenant. Je compte vraiment sur vous. Abonnez-vous dès maintenant, les gars, et activez la cloche des notifs. Si c'est toujours pas fait, rendez-vous dans les commentaires, donnez-moi votre pseudo Epic Games et par la même occasion, rendez-vous dans la boutique et soutenez-moi avec le code créateur Chou. Désormais, on va parler de Colombo, le fameux monstre qui est apparu très récemment sur le jeu. Ce monstre est invincible et il est impossible de le tuer. Cependant, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont réussi à l'abattre et franchement, les images que je vais vous dévoiler, c'est assez triste. Comme vous le savez, Colombo est un monstre, pourtant il est très sympa. C'est un animal qui se défend uniquement si on l'attaque et pourtant la plupart des joueurs de Fortnite ont cherché à l'abattre et je trouve que c'est pas du tout cool. Comme vous le voyez sur cette vidéo, on peut apercevoir Colombo qui est en train de décéder parce que celui-ci a été abattu par un joueur de Fortnite. Quand on voit ces images, on se dit, c'est vrai que c'est triste, on s'attaque à quelqu'un qui fait de mal à personne, et pourtant, tout le monde veut le voir mourir, et c'est un peu le côté marrant dans cette histoire qui est plutôt triste. Voici par la même occasion une deuxième vidéo où l'on peut apercevoir la mort de Colombo. Comme vous le voyez, c'est exactement les mêmes images, c'est exactement la même animation. Et maintenant, il est temps de passer à la bonne nouvelle suite à la mort de Colombo. Il faut savoir qu'en réalité, les deux vidéos que je viens de vous présenter, c'est tout simplement des animations 3D qui ont été réalisées. Et c'est incroyable, c'est très très bien fait. Franchement, quand j'ai vu ces vidéos pour la première fois, je me suis dit, comment c'est possible de tuer Colombo alors qu'en réalité, c'est un monstre invincible? Et bien du coup, la réponse, c'est que c'est tout simplement des animations 3D. Et les gars, il n'y a rien à dire, c'est super bien fait. Maintenant, il est temps de passer à l'accessoire de dos Colombo qui sera à débloquer sur Fortnite. Gratuit ou payant, eh bien on va découvrir ça dans cette vidéo. Comme vous le savez, ça fait un long moment qu'on n'a pas obtenu d'accessoires de dos avec des animaux à l'arrière, et eh bien sachez que ça risque de faire son retour. Voici un petit gameplay à l'écran que je suis actuellement en train de vous présenter. C'est tous les accessoires de dos avec des animaux que je possède. Il y en a énormément. Pour ma part, il y en a pas mal que j'aime bien, et donc, normalement, Colombo risque d'apparaître sur Fortnite en tant qu'accessoire de dos. Quand je parle de Colombo, ce sera bel et bien un bébé Colombo. Sinon, le Colombo qu'on connaît, c'est impossible qu'il tienne sur notre dos. Maintenant, on va découvrir l'accessoire de dos bébé Colombo et également deux autres accessoires. Et on va voir comment faire pour les débloquer. Et ce sera gratuit ou payant, ça c'est la question que tout le monde se pose. Comme vous le voyez à l'écran, je vous affiche un accessoire de dos avec le Raptor. Incroyable, un bébé Raptor. Franchement, l'accessoire de dos est validé, pour ma part. Je le kiffe à 200%. Ensuite, on passe avec un accessoire de dos poulet. Incroyable, incroyable. Il n'y a rien à dire. Lui aussi, il est validé. Il est magnifique. Maintenant, voici l'accessoire de dos Colombo. Comme vous le voyez, il est vraiment super mignon. Il est très très beau. Et c'est pas tout. On a également une deuxième image de celui-ci. Et comme vous le voyez, il n'y a rien à dire. L'événement est incroyable. Il faut savoir que ce que je viens de vous présenter, c'est tout simplement des concepts qui ont été réalisés. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs saisons qu'on n'a pas obtenu d'accessoires de dos avec des animaux. Selon certaines rumeurs, dès la prochaine saison dans le pass de combat, on risque d'obtenir des accessoires de dos avec des animaux à l'arrière. Et ceux qui ont le plus de chances d'arriver, c'est le bébé Colombo, le Raptor ainsi que le poulet. Pour ma part, je validerai à 200% ces sacs à dos. Du coup, en réalité, on sait que le pass de combat est payant, donc ces sacs à dos ne seront pas gratuits, mais ils seront payants, même si ça coûte pas très très cher. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé. Franchement, l'accessoire de dos Colombo, il est magnifique et j'ai hâte de l'obtenir. Comme d'habitude, pensez à lâcher votre pouce bleu, abonnez-vous si vous l'êtes toujours pas, code créateur Chou dans la boutique, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne. Ciao ciao.